messieurs les voyageurs, montée 91, Blauer & Ziam, va entrer en gare de Munich dans quelques minutes. Monsieur, nous sommes au terminus. Monsieur, nous sommes au terminus. Bonjour. Pardon. Ah, Stéphane. Salut, Harry. Il a été tué par balle, en plein dans la nuque. Aucun bagage, aucun papier, les poches vides. Du travail de pro. Je ne sais pas si on pourra l'identifier. Il s'appelle Kessmer, Hans Kessmer. Il habite près de chez moi. Qu'est-ce que tu dis ? Non, plus tard. Dis-moi, il y avait beaucoup de gens dans le compartiment ? Oh, 2-3 personnes en plus de la victime. Mm-hmm. L'hôtesse s'en souvient très bien, elle est allée porter des aspirines 2 fois de suite dans le compartiment d'à côté. Oui, près de la fenêtre, il y avait 2 femmes, ça je m'en souviens très bien. Mm-hmm. L'une était âgée et la plus jeune avait environ 30 ans. Combien d'hommes étaient avec elle ? Si je me souviens bien, ils étaient à peu près 2 ou 3. L'un d'eux était assis là. Vous aviez l'impression que ces hommes et ces femmes se connaissaient ? Ah, ça je ne peux pas vous le dire. Le train venait de Hambourg. La victime aussi venait de Hambourg ? Non, c'est à Hanovre qu'il est monté, il me semble. Vous en êtes sûr ? Pas tout à fait. Et les autres personnes ? Les autres, disons que les femmes sont toutes les deux montées à Hambourg, ça j'en suis sûre, je les ai vues. J'ai vu également qu'il y avait un homme avec des lunettes. Et les deux autres ? Eh bien, les deux autres, je crois qu'ils sont montés à Hanovre seulement. Je ne pourrais pas en jurer. Ils ont très bien pu monter à Würzburg. Essayez aussi de vous en souvenir, chaque détail a son importance. Ce monsieur va vous aider. Dis-moi, on a trouvé des clés ? Des clés ? Non. Alors comme ça, on déniche un cadavre inconnu que par hasard tu connais. Avoue que c'est quand même une drôle de coïncidence, non ? Remarque, ça nous servira à quelque chose. Ah oui, c'est un avantage. Personne ne le sait, même pas l'assassin. Alors, à ton avis, les occupants du compartiment pourraient être de mèche ? Mais oui, il fallait qu'aucun étranger ne se trouve dans le compartiment au moment du crime. Les femmes non plus ? Mais oui. Réfléchis, on ne peut pas commettre un meurtre dans un compartiment sans que tout le monde ne panique. Il n'y a pas eu de prise d'otage. Meurtre prémédité. Drogue, trafic d'armes. Il est trempé là-dedans, ton Kessmer ? Peut-être, j'en sais rien. En réalité, je le connaissais à peine. Il m'est arrivé de le rencontrer chez mon copain Mario 3-4 fois. C'est un restaurant où je vais de temps en temps. Je le voyais quelquefois là-bas. J'ai simplement fait 1 ou 2 parties d'échecs avec lui. Il était journaliste. Enfin, ça, c'est lui qui me l'a dit. J'ai pas pu vérifier. C'était un gars tout à fait gentil. Il passait son temps à rigoler. Tout le monde sympathisait avec lui, même moi. On arrive bientôt.
Monsieur Kessmer m'avait dit qu'il voulait que je ne laisse entrer personne dans son appartement quand il n'était pas là. Surtout les gens qui se présentaient comme ses amis. Ah, ça, pour être prudent, il était prudent. Quand il a pris possession de l'appartement, il a fait poser une nouvelle serrure. En fait, c'est parce qu'il avait peur que son prédécesseur ait gardé une clé. Dites alors, vous allez me montrer votre carte de police. Ah oui, oui, bien sûr, attendez. Tenez, la voilà. Vous pourriez nous ouvrir la porte, s'il vous plaît. Oui, mais il va falloir que je vienne avec vous. Désolé, mais je suis obligé. Non, je comprends, c'est tout à fait normal. D'ailleurs, je vous en remercie. Oui. Non, mais qu'est-ce que c'est que ce foutoir? Oh, bon, c'est pas vrai, un cambriolage. On dirait qu'ils ont fait du rangement. Ben, il faut appeler la police. Ben, attendez une minute, vous savez bien que c'est nous, la police. Oui, mais moi, j'en veux les vrais, avec des uniformes. Vous avez entendu des bruits suspects ou quelque chose de genre? Non, j'ai rien entendu. Rien du tout? Bon, j'appelle le labo pour qu'il vienne relever les empreintes. Et je vais faire le tour si ça se trouve quelqu'un a entendu quelque chose. Oui, d'accord, vas-y. Un moment. Le coffre-fort, il était déjà installé dans l'appartement? Le coffre-fort? Oui. Non, je pense que c'est Kessmer qui l'a fait installer. Uh-huh. Je savais pas qu'il y avait ça ici. Bon, vous voyez qu'il y a eu un cambriolage, de toute façon. À votre avis, Kessmer... Vous voulez nous aider à faire avancer l'enquête? Ah oui, bien sûr. Bon, vous ne parlez de ça à personne, même pas à votre femme. C'est très important. Est-ce que je peux compter sur vous pendant un ou deux jours, le temps de terminer l'enquête? Oui, oui. Si jamais, grâce à vous, on trouve les meurtriers, je veillerai à ce que vous ayez une récompense. Ah, bah d'accord. Par contre, si par malheur, votre langue se mettait à vous démanger et faisait tout rater, je m'occuperai de vous. Vous entendez? Oui, monsieur Derrick. Parfait. Dis donc, tu as vu? Il y a des empreintes. Ils ont dû essayer de l'ouvrir. À mon avis, ils ont trouvé toutes les clés de l'appartement... sauf celle du coffre-fort. Ils ignorent certainement que nous avons réussi à identifier le corps, et ce qu'ils doivent encore moins savoir, c'est que nous sommes déjà ici. Ils doivent se croire encore en pleine sécurité. Il faut le temps que l'enquête démarre officiellement. Jusqu'au jour où la photo de la victime sera publiée dans la presse. Et crois-moi que s'ils s'amènent, ils s'amèneront vite. Bouge plus. Oh, c'est pas vrai, c'est toujours les mêmes qu'on trouve. Dis-moi, qu'est-ce que tu fais là? Ah ben bravo, alors toi c'est carrément le chalumeau, hein. Les vieilles méthodes, quoi. Ah non, écoutez, monsieur Derrick, moi je suis au courant de rien. Hein. Je vous jure que je suis innocent, je devais seulement ouvrir le coffre-fort pour voir ce qu'il y avait dedans, mais moi je voulais rien voler. Ah oui? Et comme on n'avait pas la clé, ben, on s'est débrouillé pour venir avec la grosse... Oui, allô? Fais tes valises et tire-toi. Tire-toi vite. Allô? Je ne comprends pas ce que fais vous dites. Fais tes valises et tire-toi. Allô? Je vous entends très mal, est-ce que vous pourriez rappeler? Non, je ne comprends pas ce que vous dites. Oui, il y a de la friture sur la ligne. Je n'entends rien du tout. J'espère l'avoir retenu assez longtemps. Allez, dépêchez-vous. Oui. Alors, vous l'avez localisé? D'accord, quelle chambre? L'appel venait du Palace Hotel. Numéro de la chambre? Ils n'ont pas réussi à savoir, être trop court comme d'habitude. Ouais. Et moi qui croyais que c'est le genre d'affaire qu'on résout en moins de deux. Où est-ce que tu l'as connu? Hein? Où ça? Ah oui, attendez voir. Oui, voilà. Bah, je crois que c'était mardi, si je me souviens bien. Oui, c'était exactement mardi, c'est ça. J'ai entendu quelqu'un sonner à la porte. Alors, bon, je suis allé ouvrir et c'était justement lui. Alors, je lui ai parlé directement. Moi, je l'avais jamais vu avant. Je le connaissais pas. Mais lui, je peux vous jurer qu'il me connaissait. Ouais, hein, ouais. Générique. Prends sa déposition. Ouais. Non, mais écoutez-moi, bon, allez, je vous jure. Ça va, maintenant, vous pouvez inspecter l'appartement tranquillement. Si on n'est plus obligé de se cacher puisqu'ils sont au courant. Alors, je suis désolé, mais je connais personne. Quoi? Réfléchis bien. Ils disent qu'ils ne connaissent pas leur mandataire. Pourquoi pas? Je suis prêt à les croire. Oui, tu as raison.
Ces deux-là m'ont l'air sincères, seulement leur mandataire, c'est une autre histoire. Oui. Ce n'est pas un meurtre ordinaire. Il doit y avoir une organisation qui s'occupe d'affaires de drogue, de trafic d'armes, d'espionnage. Enfin, tu vois, genre, je ne sais pas si c'est à nous d'intervenir. Je vais te dire une chose, Harry. Depuis que je fais ce métier, la plupart du temps, j'ai affaire à des inconnus. Des victimes inconnues, des meurtriers inconnus. Kessmer est la première victime que je connaissais avant sa mort. Je peux me dire que je le connaissais relativement bien. Je me souviens un jour, nous venions de finir une longue partie d'échecs qu'il avait perdu et il m'a dit « Je crois que je vais bientôt avoir besoin de votre aide, inspecteur. » Il savait que j'étais de la police, je ne sais plus qui lui avait dit, peut-être moi ou alors Mario. Tu sais, quand il m'a dit ça, j'ai tout d'abord pensé qu'il rigolait, je ne l'ai pas pris au sérieux. Je lui ai répondu évidemment sur le ton de la plaisanterie que si jamais il lui arrivait de griller un feu rouge, je ne voyais pas ce que je pourrais y faire. Seulement là, il n'a pas grillé un feu rouge. Il s'est fait assassiner, ça n'est pas la même chose. Je sais que je me dois d'intervenir. Et que je le veuille ou non, je dois faire mon devoir de policier avant tout. Ce genre de choses, c'est très recherché de nos jours, j'ai l'impression. Tout ce que je peux te dire, c'est que ton Kessmer était vraiment très doué. À ce qu'il paraît, il était bien journaliste. Seulement, il conduisait également des camions pour la société Schenck, des traiteurs qui livrent des repas pour des entreprises. Ses papiers sont en règle, ça nous a été confirmé par la société. Kessmer est théoriquement en vacances jusqu'à... Dis-moi, il y a des photos sur les papiers ou pas? Non. Berger est déjà parti voir le patron de cette société. Alors, surtout, je voudrais que vous ne fassiez rien de ce côté-là. Mais officiellement, Kessmer, il est mort pour nous ou pas? Tant qu'il n'y a rien dans la presse, on essaie de noyer le poisson. Tu as demandé à la presse qu'elle ne parle de rien? Oui, enfin, presque. En fait, je voulais leur demander, seulement quelqu'un leur en avait déjà donné l'ordre. Plutôt bizarre. Oui. J'ai réussi à avoir une feuille de paye de Kessmer. Il touchait 1250 marques chez Schenck. Et ça, ce sont des relevés de compte. 32 000 marques là-bas. Pas mal, hein? Ça se voit à l'appartement. Alors, vous y arrivez? Écoutez, je vous ai dit que j'avais bientôt fini. Tu as du nouveau? Pour un journaliste, c'est plutôt maigre ce qu'il y a comme courrier. Je n'ai trouvé que quelques lettres, des factures de téléphone, une facture de la blanchisserie concernant un pantalon, deux ou trois lettres d'amis qui sont en vacances et une facture qui vient de chez un photographe. Les factures de téléphone, elles sont élevées? Pour un chauffeur, oui, mais pas tellement pour un journaliste. Bon, tu veux que j'aille voir le service des télécommunications? Oui, ce qui m'intéresse surtout, c'est les communications à l'étranger. D'accord. Je viens de trouver des cartes de visite sous les palettes et les pinceaux. Edward Allan Harris, Art Dealer Oil Paintings, London 31 Avon Street. Vérifie si le numéro à Londres est toujours valable. Appelle-les. De la part de la galerie, Klein, tu dis que tu veux parler à monsieur Harris. Carrément. Ça y est, c'est fini, j'ai terminé. Oh, il m'a fait peur, celui-là. Regardez. Allô? Oui, salut, c'est Sterling. Il t'appelle de la chambre de Kessmer. Maintenant que le coffre est ouvert, nous devrions savoir ce que le meurtrier pouvait bien chercher chez Kessmer. La galerie Klein. Si on arrive à savoir ça, on tient le motif. Oui, je te donne le numéro. 431... 70, 27, de la part de la galerie Klein, galerie de tableaux. Bon, d'accord, j'attends ton coup de fil. Allô? Ouais. Mr. Harris est en voyage d'affaires à Munich. Il habite au Palace Hotel. On va demander à l'accueil s'il habite bien dans cet hôtel. Merci. Ça y est, c'est fait. Edward Allan Harris, de Londres. Quand est-ce qu'il est arrivé? Hier soir, par l'avion de 22h. Et là, où est-ce qu'il est? Il est au restaurant. Bonjour, messieurs. Bonjour, je cherche monsieur Harris. Est-ce qu'il est là? Oui, par ici. Merci. Je t'en prie. Merci bien. Excuse me, Mr. Harris. Yes?
I would like to talk to you, Mr. Harris. My name is Derek, police commissioner. Ah, vous faites partie de la police criminelle. Oui. Asseyez-vous. Merci. Vous savez, je parle très bien votre langue. Connaissez-vous un certain Kessmer? Kessmer? Oui, je le connais, en effet. Je voudrais voir votre passeport, monsieur Harris. Oui. Tenez. Et à ce que je vois, vous êtes anglais. Oui. Vous parlez sans accent, c'est extraordinaire. Oui, ma mère est allemande, elle est née à Hanovre. Ah, tiens. Et quelle profession Je suis vendeur de tableaux. Je possède ma propre galerie à Londres, une petite galerie. Dites-moi franchement, quel rapport aviez-vous avec monsieur Kessmer? Oh, des rapports d'ordre strictement professionnels. Il m'a proposé une série de tableaux naïfs que j'ai immédiatement achetés. J'aimerais savoir, quand lui avez-vous parlé pour la dernière fois? Eh bien, disons, il y a environ une semaine, je l'ai appelé de Londres pour lui annoncer ma visite. Nous devions nous rencontrer aujourd'hui pour la première fois. Ah, donc vous ne le connaissiez pas avant? Ah non, non, une ou deux fois nous nous sommes téléphonés, sinon nous communiquions par lettre. Mais vous savez, c'était simplement le début de nos relations commerciales. Seulement, pourquoi me demandez ça à moi? Adressez-vous plutôt à Kessmer. C'est-à-dire qu'il est en voyage et il n'a dit à personne où il allait. Alors c'est pour ça que la police le recherche. Ça n'arrange pas mes affaires. Alors, voyez-vous, il y a deux semaines, dans sa galerie, il y a quelques tableaux qui ont disparu. Je suppose que Kessmer est parti pour essayer de les retrouver. Quel genre de tableaux ont disparu? Enfin, je veux dire, à quel style de peinture appartenait ces toiles? Oh, attendez... des naïfs, je crois. Ah, je n'en possède que quatre. Deux représentant la campagne en été et deux représentant la même chose en hiver. C'est tout ce que vous savez sur Kessmer, alors? Eh bien, oui. S'il vous plaît, mon passeport. Tenez. Alors, si je comprends bien, je ne suis pas prêt de traiter ce marché avec lui. C'est dommage, il avait une affaire qui marchait bien. Oui, j'en suis sincèrement navré. Combien coûte un tableau naïf comme ça? Oh, eh bien, ça dépend. Enfin, je veux dire, ça dépend du tableau, de ce qu'il représente, de sa taille. Entre 1500 et 3000, je crois que c'est un bon prix. Seulement, si maintenant la police recherche ces tableaux... Non, attendez, ce n'est qu'une supposition, une vague supposition, M. Harris. Bah, excusez-nous de vous avoir dérangé. Au revoir. Au revoir. Attendez. Est-ce que vous avez un numéro de téléphone ou est-ce que je peux vous joindre? Ah oui. Tenez, voilà le téléphone du bureau. À bientôt, M. Harris. Un marchand de tableaux qui vient de Londres. Tu y vois clair, toi, là-dedans? Ces tableaux, ils étaient si bien que ça? Ah, tu sais, aujourd'hui, on vend même des boîtes de conserve très chères sous prétexte que c'est de l'art. En fait, ce qui m'étonne le plus, c'est qu'il ne nous ait même pas demandé comment on a trouvé son nom. Vous n'avez pas l'air très impressionné, le flegme britannique. Oui, ou alors il savait qu'on allait venir le voir. Quelqu'un peut me dire où est monsieur Shank? Vous sortez, et c'est la porte à droite, premier étage. Merci. Oui, c'est ça. À partir du 1er octobre 75, il a travaillé comme chauffeur chez Fabler. Vous permettez? Je vous en prie. Y avait-il des problèmes en général avec Kessmer? Est-ce qu'il était du genre nerveux? Est-ce qu'il jouait ou est-ce qu'il buvait? Est-ce qu'il téléphonait souvent à l'étranger? Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Est-ce qu'il agissait hors de la norme? Kessmer? Non, enfin pas que je sache. C'était quelqu'un de très correct, ponctuel, consciencieux, rien à dire. La seule chose qui le distinguait des autres, c'est qu'il ne se faisait jamais remarquer. Excusez-moi de vous déranger. Merci beaucoup, Madame Bayer. Et voici toutes les entreprises que nous fournissons régulièrement. Et gardez cette photocopie, si vous voulez. Mais ne la montrez à personne, surtout, à cause de la concurrence, vous comprenez? Nous livrons de la nourriture sous toutes ses formes et à n'importe quelle heure, chaude ou froide. Ça vous intéresserait peut-être de voir Monsieur comment... Monsieur Schenk, j'ai pu croiser une petite partie de vos employés dans la cour et j'ai remarqué qu'ils avaient une espèce de badge avec leurs photos.
Oui, une société nous l'a demandé pour des raisons de sécurité. Il s'agit de la Belle Auvergne. La Belle Auvergne? Un centre de recherche. Vous voyez pourquoi? Nous faisons toutes nos livraisons avec 3 camions, environ 200 portions. Les chauffeurs des camions ont aussi des badges avec leurs photos, non? Ah, bien sûr, oui. Une photo sur la pièce d'identité et une au secrétariat. Est-ce que je pourrais voir celle de Kesmer? Oui, bien sûr. Madame Bayer? Oui? Apportez-moi les pièces d'identité de Kesmer, Hans. Tout de suite, monsieur. Dépêchez-vous. Tout à l'heure, vous nous avez dit, et je voulais d'ailleurs vous en remercier, que nous pourrions compter sur votre aide dans cette enquête, n'est-ce pas? Ah, mais bien sûr que oui, c'est normal. Bien. Seulement, j'ai bien l'impression que Kesmer lui-même aurait du mal à nous aider maintenant. Oh, excusez-moi. Ce n'est rien. Je suis navré, monsieur Schenk, mais je ne comprends pas ce qui se passe. Comment ça? La carte, je n'arrive plus à mettre la main dessus. Ce n'est pas possible. Plaisantez. Excusez-moi. Retrouvez-moi cette carte, madame Bayer. Continuez à chercher. Oui, oui. Excusez-moi. Depuis quand est-elle secrétaire ici? Madame Bayer? Oh, ça doit faire... environ une quinzaine d'années qu'elle travaille ici. C'est la plus efficace que j'ai jamais connue, et la plus sûre. Je ne crois pas que votre secrétaire réussira à retrouver cette carte, vous savez. Monsieur Schenk, il faut absolument que je puisse compter sur vous. Oui, bien entendu. Je vous en donne ma parole. Bon. De toute façon, ne vous inquiétez pas. Quelqu'un d'autre prendra la place de Kesmer. Un homme de nos services. Alors, Belle Auvergne, il y a 700 employés. La société travaille principalement sur l'avion à décollage vertical, sur les techniques de renseignement par infrarouge et le thermonucléaire. Les hommes de la sécurité s'appellent Schrem, Magold et Fence. Je n'ai pas réussi à en savoir plus, faute de temps. Je vous rappellerai. Terminé. Merci. Terminé. Donc, tout concorde pour l'instant. Nous voilà en plein milieu d'une affaire d'espionnage, tu ne crois pas? J'en ai l'impression, oui. Donc ce n'est plus à nous d'intervenir. Un homme se fait assassiner, un homme que je connaissais assez bien. Je trouverai le meurtrier. Prego. Merci, Mario. Alla salute. Salute. Alors, Mario, dites-moi, est-ce que Kesmer a changé ces derniers temps? Mais j'ai pas trouvé, non. La dernière fois qu'il est venu, c'était quand? Oh, ça fait environ 3 semaines. Il est même venu avec une de ses poupées. Vous la connaissiez? C'était la première fois qu'il venait. Un momento. Mamma! Oh, mamma! Dimmi un po', fammi vedere le fotografie. Lasciami tranquillo, io non ho tempo. Qu'est-ce qu'il prend? S'énerver comme ça. Non, il s'énerve pas, il est italien. Le ho lasciate qui. Va bene. Sì, ecco, va bene. Ecco, grazie. Adesso continua, grazie mamma. Regardi, ça c'est Kesmer, et à côté, la fille qui était avec lui. Dites-moi, quand a-t-elle été prise cette photo? Quoi, la photo que vous avez entre les mains? Ouais. Oh, ça doit faire 2 semaines. Non, je me trompe, ça fait 3 semaines. Carlo avait demandé à des tas de gens de venir parce que c'était son anniversaire. Ce soir-là, Kesmer était là également avec sa copine. Dommage que vous soyez pas venu. Dommage, en effet. Cette photo a été prise complètement par hasard. Sur les 2 autres, j'ai l'impression que la fille se cache derrière Kesmer. À moins que ce ne soit lui qui se mette devant exprès. Possible. En tout cas, il est évident qu'ils ne sont pas très à l'aise devant l'appareil. Monsieur Dauser, faites-moi un agrandissement sur Kesmer et la fille. Rien que 2, hein? D'accord. Alors, ils ont tué Kesmer, ils ont fouillé son appartement, seulement ils n'ont pas trouvé ce qu'ils étaient venus chercher. Ils pensaient le trouver dans le coffre-fort, ce qui est tout à fait logique. Est-ce que le coffre-fort était vide? Ils n'en savaient rien du tout. Ils vont sans doute essayer encore une fois.
Tu crois qu'il faut avertir le service de renseignement? Lequel? Il y en a trois. Le MAD, service de renseignement militaire, le BFV, le service de renseignement civil, et le BND, la presse. Alors qu'est-ce que tu comptes faire? Simplement aller les voir en leur disant « Pardon, vous avez entendu parler du meurtre de Kesmer ?» Ils te répondront que ça fait longtemps, ils sont déjà dans le coup. C'est peut-être toi leur chef, après tout. Ou alors moi, tu peux me le dire? Toi, je ne sais pas. Mais en tout cas, je peux vous jurer que ce n'est pas moi. Je vais être franc avec toi, tu sais, j'ai vraiment la nostalgie des assassinats normaux, bien faits. Un crime passionnel, une histoire d'argent, de jalousie, un héritage, haine, folie. Avec ça, au moins, tu sais où tu vas. Seulement là, on ne sait pas où on met les pieds. Si jamais les espions ont envie de se tuer entre eux, ça ne me regarde pas. Oui. Tu as du nouveau? Non, pas grand-chose. Et le téléphone? Personne n'a appelé. Alors? Non, rien. Remarque qu'à mon avis, ils nous observent. Quelque part, il y a des gens de services différents qui se cachent, qui jouent aux gendarmes et aux voleurs. Si c'est ce qu'ils veulent, alors on va s'amuser un peu avec eux, avec nos règles à nous. Bon, les enfants, rentrez chez vous, nous, on va continuer. Elle a une minute. Non, j'ai un rendez-vous, moi, ce soir. Bon, alors tire-toi en vitesse. Qu'est-ce qui te prend d'être aussi agressif? Personne n'y peut rien si ton enquête n'avance pas. Bon, allez-y, qu'on nous relève à 4 heures. Et toi, tu rentres te coucher. Bon. De toute façon, je passerai voir Shen K à 7h pile. Bon, allez, dors bien. Salut. Ciao. Ciao. Non, non, ce soir, je ne pourrai pas venir. Non, non, non. De toute façon, je te rappelle. D'accord? Je t'embrasse. Excuse-moi. Oh. Non, il devrait y avoir davantage de tableaux, non? Hein? Ben oui, même si l'auteur de cette toile est un espion, il devrait avoir plus de 3 tableaux chez lui. Ce n'est pas beaucoup pour quelqu'un qui vend à une galerie de Londres. Ah oui, c'est vrai, tu dois avoir raison. La peinture, c'est seulement une couverture. Un ou deux tableaux, ça ne suffit pas pour un marchand d'art. Et comme par hasard, c'est notre monsieur Harris. Par hasard? Oui, comme moi, je connaissais Kesmer par hasard. Ouais, bon, d'accord, d'accord. C'est toi qui as raison. Une image. Une simple image, rien de plus, une reproduction. Mm-hmm. Eh oui, c'est joli, remarque. Seulement, ça ne nous explique pas grand-chose. Tu as vu, ce sont les mêmes motifs. Celui-là, on le retrouve plus grand ici et là. La femme et l'enfant, ce sont les mêmes, mais en plus petit. Ça doit avoir une signification précise. Oui, peut-être, j'en sais rien. Oh, je commence à plus y voir clair. Demain, je confierai la totalité du dossier à la bande de surdoués de l'étage au-dessus. Pourquoi pas tout de suite? Tiens, une dame. Qu'est-ce que vous faites ici? Je vous retourne la question. Police criminelle. Ah, ben tant mieux, je pensais... Oui? À quoi? Je pensais à des cambrioleurs en voyant l'état de l'appartement. Mmh. Je peux voir votre carte? Oui, tenez. Merci. Je voudrais voir aussi vos papiers. Voilà. Andrea Ferg, mademoiselle Andrea Ferg. Oui. Hmm. Que faites-vous ici? Je suis une amie de monsieur Kesmer. Il est parti pour quelques jours à Hambourg et il m'a demandé de venir voir si tout allait bien de temps en temps. En plein milieu de la nuit et sans allumer. Il est 2h30 du matin. Et alors? Chacun a le droit de vivre comme il l'entend? Qu'est-ce que vous voulez dire? Vous n'en savez rien? Vous étiez très ami avec M. Kesmer? Oui. Intime? Assez, oui. Quelle est votre profession? Je travaille comme secrétaire. Où ça? Eh bien, chez Fabler & Co. Import-Export. Alors, pourquoi est-ce que vous êtes là? Hans, ne me dites pas que... Non, il est seulement soupçonné d'être mêlé à une affaire de drogue. Tenez vos papiers. Une affaire de drogue? Oui. Excusez-moi, j'y suis obligé. Très
Allez, Jolie, 635. C'est à vous. J'ai d'armes. Je peux le voir. Je suis navrée, mais je l'ai oublié à la maison. Ah, vous vivez dangereusement. Un soir, je me suis fait agresser. Je n'en crois pas un mot. Le coffre était vide, tout ce qu'il y a de plus vide. Quel coffre ? Celui-là. Vous étiez au courant, quand même. Non ? Expliquez-moi ce que... Je pense plutôt que vous, vous pouvez m'expliquer certaines autres choses. Je suis en état d'arrestation, c'est ce que ça veut dire. Hein? Comment ça, en état d'arrestation? Je veux dire, vous allez m'emmener. Pourquoi est-ce que vous dites ça? Vous voulez aller en prison? Nous n'avons aucune raison de vous arrêter. Alors, je peux m'en aller? Vous êtes venu en voiture? Oui. Tenez, je vous remercie. Tiens, voilà les clés de la voiture, je vais prendre un taxi. Bon, on se voit demain au bureau. Hein? Alors, vous venez? Vous m'arrêtez, finalement? Non, je veux seulement voir votre port d'armes. Où est-ce que vous avez connu Kesmer? Dans une galerie spécialisée dans les impressionnistes français. J'imagine que vous voulez savoir quand. C'était début février. Vous... Je vous en prie, entrez. Kesmer qui a peint ça? Oui. Oui, il me l'a offert en me disant « Ne m'oublie jamais, surtout. » Est-ce que vous voulez un whisky? Ah oui. Vous vouliez voir mon port d'armes, c'est ça? Et aussi mon appartement, j'imagine, n'est-ce pas? Alors, finalement, c'est une affaire de drogue, oui ou non? Tenez. Merci. Tout est en règle. Alors, d'après vous, je risque d'être mêlé à une affaire de drogue, c'est bien ça? Non. Non. Mais vous savez, on n'est sûr de rien. C'est vrai. On ne peut être sûr de rien. Je ferai vérifier votre déposition. Et j'enquêterai chez votre employeur. Ça fait partie des formalités. Je crois n'avoir rien à me reprocher. J'ai l'impression que vous ne savez pas comment vous allez vous en sortir. Vous en connaissez plus qu'il ne le paraît. Vous semblez être sous pression. Vous faites de gros efforts pour vous contenir, je l'ai tout de suite remarqué. Mais vous avez du mal, c'est plus fort que vous. Il est très tard et je commence à être fatiguée. Excusez-moi. Bien sûr. C'est de l'aide que vous voulez? Bonne nuit. Bonne nuit. Vous pouvez me joindre à ces deux numéros 24 heures sur 24. Et si jamais vous avez besoin d'aide, je... Merci. Oui, oui. Bonne nuit. Passez-moi la chambre 201. Mr. Harris? Monsieur Mort! Monsieur Mort, est-ce que vous pourriez venir une minute? Monsieur Mort, Monsieur Berger, Monsieur Berger, Monsieur Mort. Les présentations sont faites. Bonjour, je suis le remplaçant de Kesmer, je m'appelle Franz. Pourquoi il ne vient plus, Kesmer? Non, monsieur Kesmer ne viendra plus. Oui, ça, je m'en doutais, remarqué. Vous savez, ça arrive souvent d'être muté, et ça arrive à tous les employés. Bon, allez, je vous laisse. Au revoir. Je m'appelle Kurt. Viens, tu vas me donner un coup de main.
Salut. Qu'est-ce que t'as de bon aujourd'hui? De la viande, des légumes et des pommes de terre. Ah, de toute façon, toi, t'es au régime. Tiens, je te présente mon nouveau collègue, Franz. Salut. Lager. Bon, je t'ouvre. Tu cherches quelque chose? Je cherche simplement les toilettes. Tu passes par le fond, tu prends le couloir et c'est tout de suite à gauche. Mais essaie de ne pas te faire prendre. Nous n'avons pas le droit d'y aller. Ben, j'essaierai. Tu as quand même réussi à savoir sous quel nom elle travaille là-bas? Non, j'ai pas encore pu vérifier. Et il y a ce type-là, mort, qui veut pas me loger d'une semelle. Il en fait peut-être partie. Partie de quoi? Eh ben de... Tu crois que les agents secrets ont un écriteau, là, sur le front, hein? Un panneau sur lequel il y aurait marqué de quel bord ils sont? Pour nous, ce serait facile. On ne connaît aucune Andrea Ferg à la Belowerke. C'est tout ce que j'ai pu savoir. Bon, ça va. Il reste une chose à faire, aller voir le grand chef, Degenhardt. Je vais lui mettre toute cette affaire sous le nez. Il reste du café, c'est... Oui. J'ai l'impression que tu as l'air de bien t'amuser. Elle est sympa, ta copine? Bon, écoute, ton café. J'ai envie de partir en vacances. Le plus loin possible. Si je pouvais partir 15 jours, ce serait bien. Tu devrais l'emmener avec toi. Sous son vrai nom, cette fois. Minute. Au fait, il est impossible qu'elle travaille pour deux sociétés en même temps. Pour Fabler & Co. et pour la Belowerke. Oui, bien sûr. J'ai pu prendre des notes à propos de Kessmer. J'ai relevé ça là-dedans. Attends... Voilà. À partir du 1er juin 72, Kessmer a travaillé dans l'entreprise Reitberg jusqu'au 30 septembre 75. Du 1er octobre de la même année au 31 janvier de l'année suivante, Kessmer a travaillé pour Fabler & Co. Ouais, je m'en doutais. C'est une société bidon, d'après ce que je comprends. Je sais qu'il y a un service secret là-dessous, mais j'ai pas réussi à savoir lequel. Quoi? Tu découvres des choses de ton côté et tu ne m'en parles pas? Non, c'est une affaire personnelle. Si tu veux que je te laisse enquêter tout seul à cause de la fille, dis-le tout de suite. Ça va, j'ai compris. Andrea savait que Kessmer a été tué. En fait, elle le savait depuis le début. Elle avait la trouille, enfin, elle a toujours la trouille. Eh ben, on n'a qu'à la coffrer, ça nous permettra d'y voir un peu plus clair, non? Non. Pas tout de suite. Eh bien, seulement tu en prends la responsabilité. Tout est en règle, monsieur Derrick. Tenez, voilà votre laissez-passer. Seulement, portez-le bien en évidence. Mmh. Ces messieurs vous attendent. Merci. Monsieur Derrick est là. Nous avons compris que c'est un meurtre sur lequel vous enquêtez. C'est bien joli, toute cette histoire. Seulement, pourquoi venez-vous nous voir ici, à l'usine? Une minute, monsieur Fence. Vous vous occupez du service de sécurité. Bien, mais laissez-moi parler. Je sais que chez vous, tout est top secret. Ça aussi, c'est bien joli. Seulement, moi, c'est un meurtre que j'ai à élucider. Et vous allez m'aider, ça, je vous le promets. Sinon, j'ai peur que vous ne soyez obligé de mettre la clé sous la porte. Alors maintenant, je vous écoute. On pourrait peut-être discuter plus calmement. Très bien. Je vous en prie, commencez.
Kesmer avait, comme tout le monde, le droit d'entrer dans les cuisines, mais seulement dans les cuisines. Et grâce à une porte battante, on sort des cuisines pour se retrouver directement dans la salle de cantine. Et de là, on a la possibilité d'accéder au couloir. Comment savez-vous cela ? Je suis assez bien informé, c'est tout. C'est une vraie passoire, cette usine, monsieur Fens. Eh bien, ne vous inquiétez pas, je ferai le nécessaire. Kesmer a pu... Enfin, c'est simplement une supposition. Se rendre dans les toilettes pour y rencontrer, par exemple, une femme ou un homme. Enfin, plutôt un homme qu'une femme, d'ailleurs. Le rencontrer et discuter tranquillement. Procéder à un échange d'informations, de microfilms, enfin, ce genre de choses. C'est pour cela que Kesmer a été tué. Espionnage ? Possible, en effet. Monsieur Schrem, monsieur Fens et moi... sommes prêts à collaborer afin de faire avancer l'enquête, et ceci à n'importe quel moment seulement. Il faut que j'en réfère à la direction. Quand ? Je vais tâcher de prendre rendez-vous pour demain. Bon, très bien, ça ira. Cette femme travaille bien dans votre société, non ? Quel est son nom ? Vous permettez ? On dirait la secrétaire de M. Krohn. Oui, c'est bien elle. Mademoiselle Gottwald. Puis-je vous demander d'où provient cette photo, inspecteur ? Ah oui, vous pouvez toujours le demander. Seulement, ça s'arrête là. Navré de vous avoir effrayé, Andrea. Vous étiez au courant ? De quelques détails, c'est tout. Mais vous pouvez éclairer ma lanterne. Je ne peux rien vous dire ici. Vous avez peur, on dirait. Vous n'avez aucune crainte à avoir, je veux seulement vous aider. Partez d'ici. Qu'est-ce qu'il peut chercher chez nous ? C'est plutôt bizarre. Je vous rappellerai, monsieur Fels. Je vous recontacterai, je vous promets. Non, ici, c'est le secrétariat. Ça se trouve au deuxième étage, au bureau 220. Bien, excusez-moi, merci. Au revoir. Au revoir. Il s'était seulement trompé d'étage. Si jamais quelqu'un me cherche, dites que je suis au laboratoire, chez Monsieur Rush. Oui, ici Hampton. Il vient de sortir d'ici à l'instant. Merci beaucoup. Au revoir, monsieur Derrick. Au revoir. Allô ? Bon, d'accord. C'est le patron qui veut te voir. C'est ouvert. Hein.
Je vous présente l'inspecteur Derrick. Ces messieurs sont... Nous nous connaissons déjà. Bonsoir, monsieur Harris. Bonsoir, monsieur Moran. C'est bien ainsi que vous vous appelez? Non. Ah bon. Ou même le silencieux monsieur Schrem fait partie de l'équipe. Monsieur Harris fait partie des services secrets et monsieur Moran... D'un service de renseignement quelconque, tout comme monsieur Schrem. Très exactement, du contre-espionnage de l'armée. Et Kesmer? Kesmer aussi. Nous avons travaillé ensemble. J'espère donc savoir bientôt qui a assassiné Kesmer. Et pourquoi? Il faut que vous sachiez que... C'est pour ça que je vous ai demandé de venir. Voilà. Ces messieurs désirent que vous meniez votre enquête d'une façon plus discrète. Je vous demande pardon. J'enquête sur un meurtre, messieurs. Un meurtre. Je voudrais que vous sachiez une chose, inspecteur. Nous sommes conscients du fait que vous ne pouvez pas arrêter votre enquête comme ça. Descendez-moi dans ce cas, comme Kesmer. Il faisait partie du camp adverse. Mais trêve de plaisanterie. Nous sommes venus demander à votre supérieur que vous ralentissiez votre enquête. Nous voudrions que vous arrêtiez vos investigations pendant un ou deux jours. Pas plus. Voyez-vous, nous sommes sur le point d'éclaircir une affaire très compliquée. Et je dois dire, veuillez m'en excuser, que... Depuis que vous avez fourré votre nez dans tout ça, tout est sans dessus-dessous dans notre affaire. Vous mélangez tout, Derrick. Écoutez, je vous demande d'être beau joueur. Nous ne sommes pas sur un terrain de football, monsieur Harris. Je comprends ce que vous voulez dire. Il y a des choses que vous ignorez. Alors allez-y. Expliquez-moi, je ne demande que ça. Je vous expliquerai tout dans deux jours. Je vous raconterai l'affaire en commençant depuis le début. Pour la dernière fois, je vous en supplie, arrêtez d'être aussi buté. Ça n'avance personne. Quant à votre ami Berger, vous pourriez au moins lui dire de moins se faire remarquer. Soyez patient encore deux jours, Derrick. Le temps que tout soit élucidé. Tout ou rien du tout. Monsieur Degenhardt, vous nous avez promis que vous feriez tout pour nous aider, non? Et arrêter l'enquête de monsieur Derrick pour quelques jours. Et je ne vous ai pas encore donné mon accord. Ce n'est pas aussi simple que ça. Vous ferez ce que nous voulons. De toute façon, je suis obligé de faire tout ce que mon supérieur me dira. Mon devoir. Ah oui, encore une question. Cette jeune femme, est-ce que... Quelle jeune femme? Non, rien. Excusez-moi. Bonne nuit. Vous ne pouvez pas savoir comme je suis contente que ce soit vous, Stéphane. Seulement, si jamais ils nous voient ensemble, j'ai bien peur qu'ils me descendent. Je ferai très attention. Et c'est à vous que je ferai attention, Andrea. Vous semez une sacrée pagaille dans cette histoire. Et à ce que je vois, rien ne peut vous arrêter. Je sais, Monsieur Moore et Monsieur Harris me l'ont déjà dit. Ce sont vos collègues, j'imagine, ainsi que Monsieur Schrem. Oui, mais ils ne savent rien. Il n'y a que Monsieur Harris qui sache. Je suis en contact avec lui. De quel service faites-vous partie? La sécurité extérieure? Eh bien, je vous laisse deviner. De quel côté êtes-vous, Andrea? Je vous rassure tout de suite, je suis du bon côté, oh, Stéphane. Oh oui, ça, je vous fais confiance. Seulement, j'espère que vous ne mélangez pas tout. Alors, le bon côté, c'est lequel des deux? Le nôtre. Kesmer et moi avons été chargés de surveiller Monsieur Krohn. Nous savions que c'était un espion. Kesmer avait réussi à se faire engager en tant que coursier pour M. Krohn. Et Moore? Oui. Lui, il devait surveiller Kesmer. Pourquoi faire? Eh bien, parce que Kesmer était soupçonné d'avoir retourné sa veille. En faveur du camp adverse? Oui. Pourquoi ne pas avoir fait sauter Krohn tout de suite, plutôt? Krohn n'était qu'un pion dans toute cette affaire. Nous voulons celui qui le manipule, l'homme qui tire les ficelles. La seule chose que nous ayons appris sur lui, c'est qu'il s'appelle Olaf. Kesmer a dû découvrir qui était véritablement Olaf. Et c'est pour ça qu'il a été descendu. C'est tout à fait probable. Peut-être que c'est vous, Olaf. Oui, c'est possible, en effet.
Non. Non, je ne suis pas Olaf, Stéphane. Allez. Vous voulez un whisky? Cette fille n'a qu'à faire un signe, elle n'a qu'à lever le petit doigt, et toi, tu rappliques en courant. Oui, c'est ce que tu crois. Hein. Écoute, tu sais que je suis pire que toi dans ces cas-là, mais alors là, elle me fait autant d'effet qu'un paquet de biscottes. Bon, résumons-nous. Dans notre camp, il y a Kesmer, Mohr, Harris, Schrem, et la dame Andrea. Donne-moi l'autre camp. Monsieur Krohn. Et Olaf. Ça, c'est Krohn. Et ça, c'est Olaf. Notre célèbre inconnu. Alors, Kesmer se fait engager par le camp adverse comme coursier de M. Krohn et Andrea comme sa secrétaire. Mohr est chargé par le MAD de surveiller Kesmer, mais il ne sait pas qu'Andrea est dans le coup. D'accord? Kesmer cherche qui est Olaf. La piste le conduit en Angleterre. Là-bas, il se met en rapport avec Harris, qui appartient au service secret et dont la galerie de tableaux n'est qu'une couverture. C'est alors que Kesmer découvre qui est vraiment Olaf. Et il se fait assassiner. Mais avant de mourir, il cache la clé de l'énigme dans son appartement. Ce que tout le monde cherche. Dans son appartement. C'est justement ça, l'erreur. Où est-ce que tu vas comme ça? À la recherche d'Olaf. Enfin, que se passe-t-il? Est-ce que je peux entrer? Bien sûr. Nous avons trouvé Olaf. Il se cache là-dedans. Allez vous habiller et venez avec moi. Vous m'arrêtez finalement? Non, je n'arrête qu'Olaf. En fait, le matériau qu'il a utilisé est absolument invisible à l'œil nu. Pour pouvoir déchiffrer le message, il faut le passer à l'infrarouge. Tenez, regardez. Oui, je vois. Nous savons maintenant par qui Kesmer a été assassiné. Bonsoir. Je vous remercie tous d'être venus si rapidement, et ceci en plein milieu de la nuit. Je vous ai apporté un petit cadeau, Olaf. Voici la photo qui a été faite à l'infrarouge. Vous pourrez lire le nom très clairement. Monsieur Harris, vous avez fait abattre Kesmer car il a réussi à découvrir qui était réellement Olaf. Vous, un agent double. Je suis obligé de vous arrêter. Vis-à-vis de l'hôtel, vous avez été rappelé à Londres de toute urgence. Venez, monsieur Harris. Derrick, cet homme nous appartient. Vous l'aurez dans une vingtaine d'années environ, s'il vous est encore utile.
Donnez-moi un double scotch. Sans eau, sans glace et sans soda. Sec, quoi. J'ai de quoi me payer un taxi si vous ne voulez pas me raccompagner. Je m'envole demain matin pour Israël. Notre affaire? Je pars me reposer un peu. J'ai bien mérité 2 semaines de vacances, n'est-ce pas? Bien sûr. J'ai bien l'impression que vous vous êtes fait avoir par ce monsieur Harris. Je me trompe? Merci. J'ai également pris 2 semaines de vacances. Quelqu'un m'attend là-bas. Le grand amour. Oui, ça aurait été trop beau. Il n'y a que dans les films qu'on trouve des femmes seules telles que vous. L'année prochaine, je vais en Crète. Seule. Au revoir, Stéphane. Et... merci. Excusez-moi. Pardon? La dame, elle n'a pas payé. Qui ça? Ah, oui. Ah oui, la dame qui était là. Bah oui. C'est moi qui l'ai invitée.